Je me suis laissé surprendre par le plaisir, finalement, de la découverte d'un nouvel instrument qui s'appelle Blueprint. Ça vient de la maison Blueprint, en fait. Et ça s'appelle Textural Violin. Et effectivement, il y a des mots magiques qu'on utilise aujourd'hui pour définir des ambiances, des directions, des particularités, des qualités. Le fameux mot texture, organique, vous savez, ce genre de choses. Et on a textural violon, violent texture, ce genre de choses-là qui nous indiquent qu'on aura un timbre qui sera vivant sous les doigts, sous le clavier. Et c'est un peu l'argument de la maison Blueprint pour nous présenter ce nouvel instrument qui s'appelle donc Textural Violin, où on le voit ici, une interface relativement simple, format contact. C'est une gratuité, cela. Ça vient de la maison Fracture Sound. Et moi, j'ai pris ici le premier élément qui s'appelle Free Trem pour trémolo. Si je veux changer simplement en sélectionnant la vignette, et si j'arrive avec un élément collégio, là, ici j'ai mis le délai, je vais enlever le délai. Le collégio, c'est quand on prend l'archet et au lieu de prendre le crin pour effectivement frotter les cordes, on appuie, c'est-à-dire on tourne l'archet de côté et avec le morceau de bois, le revers, l'archet de bois, on frappe simplement sur les cordes. Ça donne ce genre de timbre. Spikes. Hein, c'est un élément rythmique intéressant. Quand on veut, sur le vif, on the spot, créer quelque chose d'un peu inquiétant. C'est pas angoissant, mais c'est un petit peu inquiétant avec ces jeux rythmiques comme ça qui se chevauchent. Et après ça, le dernier, ici. Ah, c'est ça, il y a un bend montant. Honnêtement, on l'entend souvent, cet effet. Des fois, quand il est en fond de scène, on veut démontrer quelque chose de fragile, on marche un peu sur les œufs, ou enfin, on veut décrire une situation un peu angoissante, simplement en tapant cet accord. On l'a vraiment simplement avec un acte. Donc, je reviens à la proposition comme telle. Bon, je vais reprendre le Free Trem. Et on a un autre élément ici qui s'appelle atmosphère, qui consiste finalement en une espèce d'alliage de résonance du timbre. On l'entend ici, là. Là, je l'ai exagéré un peu. C'est pas du reverb, c'est pas. Puis si je reprends, disons, l'exemple avec le col d'agneau. Il vient après un peu. C'est ça, il vient comme faire une conclusion au timbre comme tel. Bon, je reviens à l'interface d'accueil. On a ici donc dynamique, le volume, scatter, le délai. Et le reverb, ces deux derniers éléments, vous voyez le petit onglet ici qui nous amène à choisir le type de réverbération, saturation, damping, feedback, la vitesse, le temps de réflexion, etc. Ici, je suis avec le délai, donc j'ai choisi une variante de 1,8. Je vais aller chercher, tiens, 1,16. Vous voyez que l'ensemble est là. Je vais donner du. Voilà. On le met ici. Je vais le mettre un peu plus fort. C'est un vrai plaisir. L'autre particularité que j'ai trouvée intéressante, ben vous voyez, les deux ont eu accès à ça, donc on peut enlever le délai.
Le reverb, un peu la même chose. En optant pour cette proposition, on a le type de reverb, hall, room, shimmer, coney, etc., avec le format MOD pour modulation. Donc, ce sont ces éléments qui appartiennent à ces deux délais et reverb, des éléments complémentaires. Et celui-là, atmosphère, si je clique sur ce petit S, je l'amène en solo. Et après ça, il y avait aussi via ici, je crois, voilà. En optant pour ces deux éléments, on peut aller chercher la vitesse de réponse de l'échantillon. Tu vois qu'il sera serré avec la clé, c'est-à-dire avec la touche. Et le dynamic range. Dynamic range, c'est pour vous permettre, dépendamment du clavier que vous avez, si vous avez un clavier qui répond relativement bien à toutes les échelles de valeur de modulation, c'est-à-dire d'appui sur la touche, si on appuie doucement, fort, etc. Donc ici, on aura une baguette en fin de dynamique qui répond à votre clavier si je joue doux et si je joue fort. Voilà. On peut la réduire dépendamment du clavier que vous avez. Tightness, c'est donc pour la vitesse de relation de réaction de l'échantillon comme tel. Ce que j'ai trouvé intéressant de cette proposition, Textural Violin, c'est sa possibilité donc de jouer avec plusieurs éléments en même temps. Donc là, je vous ai fait la démonstration des instruments séparés, mais si je veux avoir disons, le free tram avec le col d'aigneau, simplement en appuyant sur la touche majuscule, on le retrouve ici. Je vais aller chercher tiens, le spike, si j'enlève col d'aigneau. Je vais prendre spike, voilà. Si je vais chercher le bend, les bends, donc pour monter légèrement vers. Ça va vraiment donner. Ça va vraiment donner l'atmosphère désirée. Pour les retirer, c'est un peu la même chose, soit qu'on reclique sur n'importe lequel. Puis je vous ai parlé abondamment dans les fonctions finalement de tous les lecteurs d'instruments virtuels, que ce soit Kontakt, Descent Sampler, on soit avec UV pour Universon. Il y a toujours des éléments qui nous permettent de configurer nos sons, nos timbres, de sauvegarder nos créations avec les petites disquettes ici, voilà. Et l'identification, l'information de l'instrument, mais aussi à la droite, on trouve un élément intéressant qui est le tune, c'est-à-dire l'ajustement. Parce que ici, on a respecté, c'est ça, on a respecté le registre de l'instrument, le violon. Ça va pas plus. Tiens, je vais aller chercher un autre spike. Je vais prendre spike. Tiens. On a conservé donc le caractère de l'instrument, que l'instrument, sa note la plus grave, c'est le sol. Donc, on n'aura rien en bas du sol. Mais si je veux avoir des éléments signifiants pour créer un timbre particulier, je peux jouer avec le tune ici. Je vais le descendre à, disons, un octave. Et je vais reprendre, j'ai repris blend, je reprends le même sol. Donc, vous voyez que là, on est à l'octave inférieure. De ce qu'on avait. Si je le mets à l'extrême, je pense que ça va jusqu'à 24. Non, ça peut aller encore plus bas que ça, je pense. Ouais, c'est ça. Ici, deux octaves. Ça commence à gronder là-bas. Hein? C'est fascinant. Si je souhaitais avoir, je vais aller rechercher l'élément comme tel. Si je veux avoir des fois des multicouches ou multitimbres, là je suis allé chercher un instrument qui s'appelle Textural Violin que j'ai ici en guise d'écran d'accueil. Je l'avais sur Blueprint ici. L'instrument, je peux aller en chercher un second qui va se mettre directement en dessous de celui-là. Et si je ne fais aucune manipulation, on aura un sur le canal MIDI 1 et l'autre sur le canal MIDI 2. Ou encore, pour être certain, je peux aller chercher
le canal MIDI 1 de celui-là pour que les deux soient sur la même touche. Donc, ce qui est intéressant de celui-là, c'est que ça vous donne l'exemple de la manipulation qu'on vient de faire. Là, je viens d'en mettre un deux octaves en dessous et le sol de la dernière note de l'alto est ici, c'est-à-dire du violon. Je trouve ça intéressant de combiner les deux. Si au lieu du bend que je voulais avoir, tiens, je vais aller chercher Spike dans le grave. Donner un peu de rythmique. Puisqu'ici j'avais Free Tram pour l'aigu. Puis je vais aller rechercher, tiens, pour le grave, le même type de timbre. Donne des dimensions, des vitesses différentes. Donc, c'est possible très facilement de combiner vos timbres en multicouche avec soit le même ou un autre instrument, parce que j'aurais pu prendre n'importe quelle sélection d'instruments qui sont lisibles dans le format contact pour avoir effectivement cette multipatch qui est créée à partir d'une collection d'instruments qui sont gérés à partir d'une seule et même touche. C'est ça qui est fascinant. Et c'est un... Ah oui, j'avais oublié, je le vois ici à l'écran, pour vous dire que ces éléments qui sont là sont donc assignables au niveau des key switches qu'on leur trouve ici à gauche en format rouge. Donc, si je veux aller chercher simplement, vous voyez qu'ici, avec les Do, Ré, Mi, Fa, qui sont assignés sur ces touches, Fa, Mi, Ré, Do. Donc, pour avoir... Et si je veux avoir effectivement les deux en même temps, il s'agit d'appuyer sur deux touches, Do, Mi, ou Do, Fa, voici le réalisme. Ah, c'est une belle fonction, c'est toujours utile ça, les key switch, quand vous avez un clavier qui effectivement vous permet d'avoir accès à ce registre pour effectivement aller chercher des timbres complémentaires. C'est une belle gratuité, ça vient de la maison Blueprint, donc de Fracture Sounds, qui est une gratuité pour vous montrer à quoi ressemble cet élément qui s'appelle Textural Violin, qui est fait effectivement à partir d'échantillons de violon, où on propose en fait quatre formats, quatre créneaux, le Free Tram, Collegno, Spikes et Bends, pour avoir un élément montant un peu. Donc, je vous remercie de votre écoute. C'est à mon tour de vous remercier donc de votre écoute. Et à mon tour aussi de vous souhaiter une bonne inspiration, une bonne circulation dans cette magnifique toile autoroute de la musique, enfin de l'informatique au service de la création musicale. Je trouve ça toujours fascinant, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut avoir sous les doigts. Donc c'est à mon tour de vous souhaiter une bonne inspiration. Je vous souhaite à très bientôt. Au revoir. Belle découverte.